Attends, je vais faire comme certains viewers quand tu joues sur des serveurs publics, ils se mettent devant pour passer en stream. Ah. Ils sont relous. Mais une torche de redstone derrière la tête de dragon, pourquoi? Oui, tu vas voir, fais-le, c'est rigolo. Derrière le bug derrière ou je peux laisser le caillou derrière? En fait, il faut qu'elle soit alimentée en redstone, c'est tout. Ah, tu veux mettre ta tête? Je vais essayer, voir. Attends, je vais voir, ça coûte combien ce truc là? C'est Pierre qui a les têtes, je crois, non? C'est qui a les têtes? Oh, j'en prends. Je le mets où là du coup? C'est toi, Lip, qui a la tête? Ouais. Ah bah. Ça fait quoi là? Ça fait que t'as pas mis où il fallait, je crois. Je sais pas, non, mais paye une torche, mets un levier. Tiens, Lib. Quoi? Merci. Ah, mais ah putain, faut que j'en fasse plus, tiens, Gil. À l'attaque! Merci. C'est bon, ah venez, on y va, putain, on est trop bien. Venez, attendez, c'est pas fini, il faut faire record, MDR. Il manque des popos de force. Ah mais c'est joli là, vous avez fait comme une mine et tout. Bon, c'est bon, on y va. J'avais que ça à faire, donc tu sais. Bah on y va, il est tout le temps en retard. Non mais tu le fais trop près, mec, on va tout péter là. Ah mais vous le faites rien du tout, mec, ça casse rien. On a une potion de force 2. Ça casse rien, ok. Ah oui, non mais ça casse rien, mec. Ça casse peut-être un peu de cobalt ici. Gil, descend. Non, prenez pas les popos maintenant, prenez pas les popos de force. Ah bon, quoi, mais c'est bon, y'a Gil. Ouais, merci. Mais c'est long, restez pas proche, hein. Enfin, si, vas-y, mets-toi proche. Merde. Mais pourquoi vous avez peur? Moi, il me fait pas peur, moi, je tabasse. Vas-y, fonce dessus, tabasse-le. Vas-y, tabasse-le, vas-y, ouais. Vas-y, on te regarde, Lib, vas-y. Vas-y, on va niquer sa mère. Tiens, vas-y, on niquer sa mère. Ah oui d'accord, effectivement il est comme 0 en fait. Il fait mal en fait. On a les popos de régène. Ouais, j'en ai là sur moi. Ah, il est devant moi. Là, il veut ton cul, Sauvez-moi. C'est bon. On va tuer. C'est bon, tout va bien. On n'a pas la chimante de... Ah non, il faut faire un beacon, non? Ah mais ouais, oui, mais c'est ça en fait le problème, c'est qu'il faut que chacun qu'on crafte un beacon. Ah. Ah mais ça tue le Wither. Mais sans blague. Et c'est pas un poison. Ah bah c'est pas un poison, c'est du Wither. Et pourquoi me dis jamais que c'est pas un poison aussi? Bah écoute. Bande de singe. Bon, Lib, il a quand même deux questions aussi, hein. Ouais. Non, tu m'as déjà posé une. Attendez, il va peut-être falloir qu'on fasse. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, passe, toi, on va passer. Mais qu'est-ce que tu fais? Dégage. Ouais, t'es pas si compliqué. Ouais, ça va. Attendez, sur l'advancement, on a le. Ah, mais je sais pourquoi ça fait. Il faut faire un micro déplacé. Parce qu'en 1.8, à 1.8, on peut le. Par contre, on peut le 4 freezer, non? Par contre, construct un place beacon, je crois. Est-ce qu'il faut le. Il faut 4 Netherstar, je pense. Bah, au pire, attends, comment on fait un. Je pense, faut juste le placer. Le poser. Non, on la duplique, on a une pomme d'or à dupliquer, on duplique à Wither Star. Oui. Ouais, Pierre duplique à Nether Star, comme ça, moi, c'est safe. On a un spawner à zombie quelque part ou pas? Je pense que Lib a dû casser. Pourquoi moi direct? Comment on fait? Qui veut me casser le spawner à zombie, hein? Hein? Moi, je casse le spawner, moi? Faut juste le placer. Ah non, mais tout le monde me dit, faut juste le placer. Eh ben, on en craft un et après, c'est bon, on le place juste. Au pire, on duplique le beacon. Ouais, on a pas du verre quelque part là. Par contre, et on a pas assez de minerai, les gars. Comment ça? On a miné, ça va, on a des. Mais la redstone, ça marche pas pour le beacon, mec. J'ai 31 blocs de fer sur moi, mec. Ouais, bah, c'est passé. Mais il en faut plus. Il faut 2 stacks et demi de blocs. Ah, est-ce qu'on peut mettre plusieurs fois le même minerai, plusieurs minerais différents ou pas? Or, diams. Et faire. Bon, mais tout, et après on les enlève, c'est bon. On a clairement pas assez. On a pas de 5 camions. En fait, redstone et la pièce, tu peux pas le mettre, c'est le seul truc qu'on a quoi. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse? Un beacon. Non, oui, un beacon. En fait, il faudrait qu'on trouve un mineshaft. Il y a énormément d'or dans un mineshaft et qu'on mine tranquillement là-bas. Au pire, on duplique les minerais. Au pire, on duplique. Oui, mais il nous faut un spawner à zombie pour le piquer. Ah bon? T'es pas dans un village qu'il fallait dupliquer, j'ai rien compris. Pierre, t'as pas de cash? Oui, je sais, je cherche. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tu sais qu'à pas remplacer l'enclume et qu'a pris tout le fer comme un connard. Ramène le fer. Pourquoi le dragon il chusse là? Tiens, vas-y, j'en mets dedans. J'en mets les blocs dedans. Mais pour l'instant, on va les laisser là. Mais juste. Merci. What the fuck, gros? T'es mal, dragon, il pète. What the fuck? C'est ça, quand tu me. J'avais jamais vu ça de ma vie. Quoi? Faudrait pas trouver un Mesa pour aller chercher de l'or. C'est ce que j'ai dit juste avant. Personne n'écoute. T'as dit un Mineshaft. Moi j'ai dit un Mesa. Personne n'écoute quoi ce que je dis. Et toi on t'écoute jamais de toute façon. Mais attendez, dans quelle direction on était parti? Ça vous dit pas? On part chacun dans 4 directions différentes. Attends, non mais c'est moi qui pars par là, Ika. Je pars vers le nord. Moi je vais à l'est. On part chacun dans une direction. Ouais, chacun dans une direction. Et le premier qui trouve. Au sud, Ika. Bah je vais à l'ouest. Le premier qui trouve un Mesa appelle les autres. Comme ça fera pour l'Adventure Time. Et on va miner dans un Mesa. Il y a quelqu'un qui me pose une question au livre dans mon chat. Est-ce qu'il faut déjà expliquer tes capacités physiques sur ce que je parlais? Non. Après, okay. est-ce que si c'était oui, t'aurais dit oui? Oui, m'en fous moi. Il y a déjà une meuf qui m'a pété le nez, gros, donc bon, au bout d'un moment.
Bah voilà, vas-y, allez, raconte. Raconte-nous l'histoire de la meuf qui te pète le nez. Mais mec, vas-y, raconte des trucs. Parce que c'était une fille, voilà, jusque-là, d'accord, qui était avec un pote à moi et elle l'avait trompé. Et moi, du coup, avec mon tact légendaire, je lui ai sorti quelques insultes bien placées. Elle a pas aimé et j'étais retourné, elle est venue derrière moi, elle m'a dit accès. Je me suis retourné, elle m'a foutu un grand coup de livre, connasse, là. Et du coup, elle m'a explosé le nez. Non, c'est pas connasse, gros, t'as cassé le nez. Et après ouais, tu m'en fous. C'est quoi? Parce que moi, c'est la suite. Bah, je m'étais cassé gros, j'avais fait du rugby pendant longtemps avant, je m'en ai, j'ai cassé 9 fois dans ma vie, donc. Je m'en fous, mon nez, y a plus de cartilage dedans, gros, c'est un amas de peau, mon nez, gros. Et tu sais que je me suis aussi cassé nord en rentrant dans une vitre. Je vais aller par là-bas. Hein? Bah, en fait, quand j'habitais avec mon père, il y avait une bellitrée de fou, et un jour, il avait nettoyé, mais elle était tellement propre que je croyais qu'on n'avait pas, et j'ai marché dedans, et je me suis passé. Oh putain. Qui est boulos. Non, mais encore, y'a un chien. Mec, elle était si propre. C'est où que tu vois la direction, attends? Mec, c'est vieux comme sur F3, c'est où que tu vois la direction. Oui, mais non, mais d'accord, mais l'orientation, genre de. Putain, mais t'es pas sérieux, là, c'est marqué en gros. Ah oui, c'est là, oui. Effectivement, oui. C'est bon, facing south. Mais je regarde jamais, moi d'habitude, j'ai mon mode de coordonnées qui m'affiche l'orientation. D'habitude, t'es un cheater, quoi. Assister. Ouais, t'es un cheater. Attends, tu veux que je le dise sous les modes que tu as? Tu veux que je ressorte le screen de lundi soir? Au moment du record? Tu veux que je ressorte le screen de lundi ou pas? Là, il est magique ce screen. C'était quoi comme mode, d'ailleurs? C'était quoi? C'était quoi comme mode? C'était oh. Vape. Ouais. Ah oui, d'accord. Oh, ok. Il s'en bat les couilles. Mais je m'en bats les couilles, gros. Non, mais tu peux la garder du coup? Bah non. Quand même, gros, jamais. Il fallait le mettre en record. Attends, mais tu sais que pire, j'ai fait pire. Tu te souviens la FDJ quand on avait casté le tournoi? Ouais. Ah oui, bah moi, pendant tous les tournois, j'ai extrait pour voir, tu sais, un spectateur, pour voir comment ils jouent les gens. Tu sais, je mets extrait pour voir si eux ils extraient pas, normal. Comme quand tu hostes des games ou quoi, tu mets extrait en spec. Ouais. J'avais oublié d'enlever le record d'après. Oui, non, et après, il y avait eu Death Note 3 juste après. Death Note 3, j'ai extrait en plein Death Note. Il appuie, mais genre, en fait, le truc, c'est qu'il l'appuie et vu qu'après il a oublié de le couper au montage et du coup ouais. On est en Islande et là il y a l'épisode qui sort et on voit nos notifs, on se dit qu'est-ce que t'as branlé. On est en train de louer une voiture en même temps en Islande et en même temps lui il est en train de régler son problème d'épisode. Moi je m'en bats les couilles, gros, je m'en fous. Quel enfer. Il a supprimé l'instant de l'épisode, on a plus jamais entendu parler. Oui, c'était normal. M'en fous. Mais les gens ils ont rien dit, j'ai expliqué, ils ont dit bah ok, ils ont pas cassé les couilles, tu vois. Donc, alors que tout le monde sait que bah tu l'as vraiment regardé toute la série, quoi. Je suis parti, j'ai pas. Tu sais, à un moment je l'ai mis et j'ai bugué 10 secondes avant de comprendre. Pourquoi il y a ça là, Max? C'est quoi qu'il y a un Twitch rival? Mais tu sais qu'à tout moment, mec, il peut y avoir un Twitch rival sur Minecraft. Hein. Mais go le demander, les gars, go le demander. Le streamer, t'as le site, tu vas sur Twitch.rival, bah enfin Twitch rival pour match. Et tu links ta chaîne. Je sais plus, j'ai tapé Twitch rival sur internet. Tu tapes Twitch rival sur internet. Tu links ta chaîne et tu dis quel jeu t'aimerais avoir en Twitch rival. Moi j'ai déjà mis, moi. Ah bah, en vrai, go tout demander à Minecraft. Envoyez le lien, on va mettre comme ça, quoi. En plus, les équipes de 4, ils vont dire à API et on fait une squad à 4 et on gagne, voilà. PVP on gagne. Ouf, en vrai mec, PVE, on fait tout en TO4. Bah mec, en vrai. Surtout que c'est un truc qu'entre streamer en fait. Entre mec au niveau streamer, y'a pas non plus. Et si c'est qu'en team, au final, les seuls teams. C'est qu'en team, c'est qu'en team. C'est les teams. Bon, tu peux avoir une team espagnole pas trop dégueulasse, encore je suis pas sûr. Mais non, mais on les saute et t'as pas. Ouais. Ouais, tu vas voir qui, ça dépend quelle version c'est. Par contre, tu mais non, mais en fait, parce que logiquement sur un Twitch rival et que tu t'inscris sur du Minecraft. Ils prennent avant tout. J'ai un temple de l'eau. Ils prennent le plus gros streamer du jeu en France. Les plus gros streamers. Donc. Mais ils vont te demander toi, gros. Donc, Bah oui, non, mais même nous, en France, si on fait une équipe de 4. Après, tu vois, il y a Gota et tout qui fait Mass Viewer, ouais, mais. Non, mais en fait, c'est pas grave. Twitch Rival, ils vont te demander à toi, et après, c'est à toi de faire ton équipe, c'est ce que j'avais compris, parce qu'ils pouvaient changer les rôles. Maria Mandarine. Tu fais des trucs. J'ai un temple de l'eau, les gars. Je sais pas si on en avait un, mais j'en ai un là. Un quoi? Un temple aquatique. Ah bah, note les coordonnées pour les mobs, gros, bah, il faut qu'on les tue. Gota peut faire une équipe qui peut être pas dégueulasse. Oh putain. Il y a trop de mobs, c'est la nuit, c'est chiant. Ouais, mais s'ils ouais, font un Twitch rival, ça sera pas du PVP parce que c'est trop compliqué, ça fera du PVE, c'est de la survie ou quoi, un truc comme ça. Du farm, gros, du farm, et ils ont beau être bons, ils connaissent pas le jeu. Mais les modes de jeu, là, comme Squeezie l'a fait la dernière fois, là. Mais on est fort en tout, les mecs, on est fort en farm, on est fort en PVP. Il y a que c'est un de partout. Par contre, à tout moment, si c'est PVE 1.14 en hardcore, là, gars, je vous laisse. Ah, j'y vais. Hein. 40 morts, mec. Il suffit juste bon, que hein. Tu montes en haut d'une tour et puis t'attends. C'est moi, tu vas avoir Gap Étoile, Pedro, cette gosse. Non, non, mais les gars, c'est. Ça, mais ça gagnera pas en fait, ça, c'est un Twitch rival. Et ça fonctionne jamais comme ça sur les Twitch rival en fait. Non, non, c'est pas d'inscription, c'est. Twitch rival, c'est en gros, ils demandent à des gens qui sont connus. Ils demandent au représentant français du jeu, donc celui qui fait le plus de stats dans le jeu, et après, ce même mec fait une équipe de 4. Et des fois, ils prennent une, deux équipes d'un pays. Mais ils prennent pas en fonction du niveau des mecs, ils prennent en fonction des audiences. De la popularité.
Ici c'est du build, mais les gars vous nous avez jamais vu build. Non, ça serait pas du build parce que le build t'as le facteur humain de décision. Ah, ça serait un truc en survie, ça serait par exemple des achievements, typiquement des achievements. La collecte avec des points parce que ouais, sur Stardew Valley c'est ce qu'ils faisaient par exemple. Ouais, c'est bien ça en vrai. Si ils te font un truc, ils te font un truc où X nombre de diamants ça fait tel point, X nombre de points ça fait tel point, etc. T'as 10 points par fer, 20 par gold, etc. Mec, le truc le plus rentable ça serait genre les achievements qui rapportent des points. Cette série servirait à quelque chose. Mais même pour le farming, ils rigolent, mais ça rapporte à mort. Hein. Bah ouais, mec. Enfin, à mort. Enfin, c'est bah l'équipe ouais. qui gagne en général, elle gagne entre 20 et 30k. Hein, donc, ouais. Là, il y a eu TFT, c'était 50 000. Hein. Ah bon. Sur TFT, alors du que coup, ça vient de sortir. Envoyez le lien pour. Bon, c'est Riot. Après, c'est Riot, gros. Donc, c'est vrai, gros, si c'est Mojang, ils ont Datune aussi, gros, Microsoft. T'inquiète pas. Ouais, mais ils le feraient pas. Après, c'est Twitch qui se montre. Ils le feraient pas, c'est pas dans leur optique. C'est vraiment classe, les dauphins. Les mecs. Slash cheat ouais. ou pas? Non. Moi écoute, ça, je l'ai proposé. Après, on m'a accusé de cheater. Après, parce qu'on on a pour toute la soirée à trouver. Et d'ailleurs, qui a un dégage là? Moi j'ai répondu à 50 questions en gros déjà. Moi je t'avoue que j'ai fortune, je crois que je vais juste miner en fait. Je sais qu'il allait dire, il parle dégage après. Ah oui, tu minais pour les minerais là. Oh là, c'est plus la merde, j'ai Curse of Vanilla. C'est con que la redstone ça marche pas pour un beacon, mec, ça serait tellement bien. Eh bah, ça serait le feu. Ah, mais les gars, il y a un slime. C'était du farm, on a gagné en fait, ne vous inquiétez pas. Ah, ça serait le feu en vrai, mec. Ok, je suis un mal mental hein. Si c'est du farm, on a win, ça c'est sûr. Je suis un mal mental gros. C'est trop bien par contre. Bah, ça, c'est du farm de post-tech, c'est bon, on a gagné hein. En fait, après, tu arrives, c'est sur une soirée, hein. C'est pas non plus sur. Oui, mais c'est juste mais peu importe parce que si tu connais juste quel bloc vaut quel bloc, moi je te théoricraft le truc et je sais exactement qu'est-ce qu'il faut farmer. Un chez Flo Random. C'est quoi la CDC? Le chevalier du cube, c'est pas la cité. C'est le chevalier du cube. C'est on est. Cahier des charges. C'est le cahier des charges. C'est le cahier des charges de Minecraft, les gars. Faut que tu les aies. C'est-à-dire, les connards, je vais crever. Non, non, The Dimix, c'est. Oh là là. Oh là là. C'est pas. C'est normal qu'il y ait des bugs, c'est une alpha, c'est normal hein, qu'il y ait des bugs. Bah, c'est plus Minecraft. Ouais, c'est normal. Non, de nous, Stellario. Oui, alpha. Oui, de Stellario, c'est normal qu'il y ait des bugs. Non, c'est on a dit, c'est honteux, hein. C'est honteux. Pourquoi vous avez des bugs? Pourquoi c'est pas un truc qui tourne c'est directement bug, c'est le premier jour, c'est quoi, ça dit donc. Nous, on a pas été blacklist par Mojang, quoi. Shots fire. Oh, day. Mais ça, c'était sûr, hein. Ouais. Moi j'avais call, hein. Bon après. Bah mec, 600 requêtes à payer par 10 tranches de 10 minutes, si tu mets pas les skins en cash, oui. Bah c'est clair. On s'était déjà fait banniper sur un event. Je crois que c'était. Non, sur un event pendant la PGW et on était peu nombreux donc là c'était sûr. Pas moyen de dodo, y'a des fantômes là. C'était pas l'event orange là? Ouais, tu te souviens pas que ça avait mis du temps. Mais mec, y'avait 10 personnes. Y'avait 10 personnes, vous avez fait banniper pour 10 personnes. On s'était fait banniper, ouais. Et du coup. Parce que c'est 5 par IP max. Voilà. Du coup, on avait téléchargé en catastrophe des launchers craqués pour pouvoir jouer. Tu te souviens pas la ZLAN, gros? Ouais, non, mais si, mais on était plus nombreux la ZLAN. Et la ZLAN, je te souviens pas, hein, je t'avais call, je t'avais dit, mec, je pense que ça va être ça. C'est toi qui avais balancé le truc en premier. En fait, dans ma tête, on devait avoir plus d'IP, mais non. Et oui, mais c'est toi qui avais balancé le truc le jour, là. C'est toujours ça le problème. Et en vrai, Zidane, c'est ça, ça peut être en retard, le truc, c'est juste moi qui ai pas dormi, c'est tout. Comment ça marche? C'est toi qui a pas dormi, mec, et Zera, il a dit que c'était Gil. Blacklist en fait. Ouais, mais t'as vu, mec, il m'a mis trop bien en stream, gros. Zera, il a fait Gil, il a pas dormi et tout, on peut le pardonner et tout. Mis trop bien en stream, alors que moi j'étais en train mes yeux sortaient de mes globes, tu sais, ils étaient rouges. Merci Frizik, merci Zagwain. S'il avait ses lentilles, c'est FDP. Ouais. Et surtout, j'avais mes écrans en 60 Hz, je comprenais pas pourquoi c'était lent. Comment ça marche les cartes au trésor, les gars? Bah, tu la gardes et t'as un trésor. Tu regardes en fait sur la carte si t'es en bas à droite, c'est que t'es au sud-est de la bonne position. Donc faut que t'ailles au nord-ouest. C'est directionnel les cartes. Hein? Okay. C'est lui, les points cardinaux, il est dans une forêt, il meurt. Hein, donc, Quoi, point blanc? Hey, ah oui, putain, il y a un point blanc sur la map! D'accord, oui, d'accord. Jean-Marie Picard à droite. Que je suis en train de me dire. Oui. Pas de plus gros, si plus t'es proche. Quoi. Mais du coup, oui, pour ceux qui demandaient les histoires de blacklist et tout, c'est juste en fait quand vous faites. Trop de requêtes API. Les requêtes API, c'est en gros quand vous connectez un serveur où, et que le serveur. C'est pas des, c'est des serveurs où il faut s'authentifier. Ouais. Vous faites une requête à l'API de Mojang en disant voici mon. C'est pour ça que vous loguez à votre launcher quand vous avez acheté le jeu. Voici mon identifiant, etc. Et le serveur envoie une requête à l'API Mojang pour dire est-ce que ce joueur est un vrai joueur. Et les serveurs, enfin c'est les serveurs Amazon, mais. Mojang répond de oui ou non. Et si c'est oui, le mec peut se connecter sur le serveur. Et c'est limité. Et le problème, c'est que. Deux choses. Un, s'il y a trop de requêtes API qui viennent d'un serveur qui ça n'a pas été pré-autorisé par Mojang ou ce genre de choses, ils considèrent que c'est une attaque en fait,
C'est un DDoS tout simplement. Donc du coup, il bloque les requêtes venant de l'IP du serveur et on se retrouve à plus pouvoir se connecter sur le serveur. Ah, ban. Pendant ouais, alors tu t'es ban à chaque fois pendant 10 minutes. C'est 10 minutes. 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes si sans requête AP, 10 minutes. OK, voilà. Donc c'est 10 minutes et la même en fait si les requêtes API viennent de c'est le même principe ouais. À chaque même fois c'est, ils viennent de la ou quand t'as des joueurs qui sont connectés sur la même IP ça peut poser des soucis s'il y en a et là c'est 5 max par fait, c'est 5 max par IP identique par IP ouais. Alors, et c'est marrant parce que la ZLAN on n'y a pas pensé à ça et c'est dans la si on y a pensé on y a oui, on y a pensé mais on sait on avait pas on a dans notre tête on avait plus d'IP disponibles en fait quand vous ouais quand vous avez pensé quand c'est sur le main et moi la veille de l'event j'ai pensé j'ai envoyé un message à je sais plus qui et qui m'a dit ouais il y a Lib qui est sur le dossier ou je sais pas trop quoi. Oui, dans notre tête on avait vraiment plus IP. C'est, ça m'est venu d'un coup et je me suis dit merde, parce que c'est pas du local et il va y avoir ce souci là. Et donc du coup le seul moyen pour contourner ça, quand vous développez un serveur etc, il faut demander à Mojang se faire inscrire en tant que serveur entre guillemets, pour qu'il vous whitelist l'IP des requêtes, des calls API. Enfin, après c'est des plages d'IP généralement. Oui. Sur des infras et. Ou et alors tu... avoir des plusieurs IP quoi. Voilà. Et dans certains systèmes qui sont encore plus gros, il y a des, ils ont leur propre serveur d'authentif pour pas faire de requêtes. Pixel, par exemple. Voilà, par rapport à iPixel pour pas faire des centaines de requêtes, de centaines de milliers de requêtes à Mojang. Ils mettent tout en cache. Ils mettent tout en cache, ils sauvegardent en cache et c'est eux qui font leur propre vérif et ils synchronisent avec les serveurs de Mojang régulièrement. C'est pour ça que quand les serveurs d'authentification sont down et qu'on a plus de skins sur iPixel, t'as encore ton skin. Voilà, exactement. Et que tu peux encore te connecter sur un bateau en l'air, les gars. Problème. C'est quoi ? Un bateau dans le vide, il flotte, genre il est pas dans l'eau. Ah oui, ça c'est le bug de Minecraft. Bienvenue sur Minecraft. Aussi dans l'end. Non mais les gars, de toute façon on est peu recommandable donc. C'est bon, l'IB est parti. Maintenant on est avec des gens recommandables. Vous avez pas vu ce. Oui, vous l'avez vu ce tweet ou pas ? De quoi ? Aujourd'hui. C'est. Comment il s'appelle ? Il y a quelqu'un qui a tweeté sur Stellario en disant de toute façon c'est géré par des gens, des youtubeurs PVP peu recommandables. Moi du coup j'ai répondu pour l'interrogation, je fais what the fuck, genre quel délire. Bah si, vous êtes peu recommandable, tu savais pas ça. Mais c'est qui qui a mis ça ? C'est comment il s'appelle ? Tu peux rajouter ça sur ta fiche encore LinkedIn dans. Non, c'est un modo d'Epicube, c'est un ancien modo d'Epicube qui a tweeté ça. Comment il s'appelle ? Frigel ? Non, de modération. Quoi ? Celui qui faisait des vidéos de la modération des Picubes. Armire ! Et du coup, il y a Lib qui a répondu au tweet d'Armire en répondant merci princesse, il a répondu. Non, mais il y a eu un petit. Moi, ça m'a fait rire parce que. Ah, mais c'est. Il a mis tout le monde dans le même sac parce qu'il a une mauvaise image de Lib. Mais c'est clair que moi, j'étais là en mode what the fuck, j'ai fait quoi de mal ? Un faceful, ouais, c'est le pack. Putain, ouais, j'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Mais oui, j'ai mis le faceful depuis le dernier stream. J'ai mis le faceful qu'il a Gotaga. En fait, à force de regarder ses streams, je suis devenu. J'ai voulu mettre le même pack en fait. Ouais, j'ai shader. Par contre, Gotha, ses streams de Minecraft sont tellement genre. Ils stream la nuit, ils parlent pas, mais genre, c'est tellement. Tu n'arrives pas à décrocher quand tu regardes, je sais pas pourquoi. Genre, c'est. Le shader qui fait ça. Non, mais c'est. Non, c'est pas. En vrai, non. Il joue avec shader aussi. Il me pète les yeux, son shader qu'il a mis là. Mais par contre, genre, c'est le fait que, je sais pas, il découvre un peu le jeu et. Genre, j'ai l'impression de me voir moi il y a quelques années en fait, tu vois. Mes premières parties survie et de. Là, quand il avait mis le Wither, qui avait Mikaelo qui criait enfin, qui courait en criant et tout. C'était propre. Mikaelo, il savait pas ce que ça avait, le Wither en fait. Il y a sa copine aussi qui a rejoint le serveur là. Mais bon, on stream ensemble, c'est cool. Hein. Non, mais ça fait une team pour le prochain Top Gun ça. Ah, et en parlant de ça, tiens. En parlant de Top Gun. Ah, c'est quand ça, dis donc là. Dis donc. Quand est-ce qu'on fait un Top Gun, les mecs ? Bah. C'est qui l'organisateur déjà de cette série ? Je me demande bien. C'est Lille, non ? La grosse question, c'est il y a des gens qui vont. Que les gens vont demander à. Ce que je les invite, c'est que j'ai pas forcément envie d'inviter. Donc, mais ton roster, mec, c'est toi qui choisis. Ouais, j'avoue. À tout moment, tu dis non, alors que c'est complet. C'est ta série, c'est ton roster, tu invites qui tu veux. Hein. C'est qui tu penses qui va en demander ? C'est beau. Dis-le en stream, mais c'est ceux que tu veux pas, que t'aimes pas, genre, vas-y, dis-le. Comme ça, au moins, on sait. Ouais, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens pas contents. Kouzef. Et tu sais, il y a un pauvre mec. Là, je dis ça, et il y a un pauvre mec que j'aurais invité, mais qui pourra pas venir. Et tout le monde va dire ah putain, il aime pas lui. Et quelqu'un a pêché le poisson de Nemo là ? Bah en fait Guy il en avait tout à l'heure là. J'ai 4 fois le jeu. Il en avait dans son seau. Et il est ouf ce jeu hein, t'as vu ? Le jeu est ouf. J'en ai deux là de Nemo. En vrai la bande son est cool. C'est exactement ce que j'avais dit. Je sais pas, moi j'ai pas écouté parce que ils m'ont pas balancé le son OBS, ça balançait pas le son. Non mais attends, t'as mis la vidéo sans le son ? Non mais si le public l'avait mais pas moi. Ah. J'avais pas le retour. C'est vraiment bizarre, quoi. Je crois que c'est à côté le. Attendez, je vais vous dire combien d'argent j'ai gagné du coup. Pouah, 300$ quasiment. On est d'accord que Incroyable. C'est tout droit là, le truc là, les gars. On est d'accord, c'est tout droit là. C'est au fond à droite. Okay. J'ai mon trésor. Et maintenant que vous êtes plein parce que vous êtes venus, vous savez ce qu'on fait, bon, on met les impôts. Bon, les gars, c'est en 10 000, sinon le biome met ça. Sinon, les gars, je suis en 10 000, donc.
Moi, je suis en train de chercher un coffre là. Je fais une carte au trésor là. Attends. Tu vas te mettre pile sur la croix. Mais je suis pile sur la croix là. Attends, regarde. Genre, c'était. Attends. Pile sur la croix, c'est genre là, non? C'est là, non? Le slashid m'intéresse de plus en plus. Il marche pas le slashid. Sérieux? Non, il y a pas de heal. De toute façon, on fait pas de heal, gros. Mais si, il marche. Je viens de l'essayer. Bah, j'ai pas regardé du coup, mais. Ah bon? Oui, il marche. Mais slashid, ça marche. C'est bon, je suis en dessous là, non? Mais t'as 8 HP. J'ai mis du cœur sur blanc. Ça sur la croix. De quoi tu parles? J'ai dit slashid, pas slash heal. Ah! Ah putain, aussi, j'ai compris slash heal. Bah ouais, mais c'est particulier en fait. Bah je viens de le faire le seed pour voir si ça marchait, ça marche vraiment. Oui, du mais coup, ça marche. Bon bah ça y est, on va se faire spammer de. Dites rien les viewers. Putain, c'est long update le compte. Le compteur de viewers, quoi, ouais. Il met du temps. Il met du temps. Ah, c'est au-dessus? C'est au-dessus, les gars? Attends encore un petit peu. C'est genre à combien de blocs en dessous les coffres de. Quand t'arrives sur la croix? Ça peut être profond. Je sais pas si après avec la squad c'est bugué ou pas. Mon chat me dit non. C'est bon aussi, mon chat. Non, c'est pas bugué avec la squad normalement. Et du coup, ça. Ouais, il quoi, démarre à 500 IK, les mecs. Continue. Le sniper sauve aussi, ça sert à quoi? À faire un beacon de l'eau. Le cœur de la mer, ça sert oui, à quoi? Oui, ça permet de faire un beacon dans l'eau, en gros. Je pense que la vie immortelle a besoin que tu répares un ordinateur. Pourquoi je suis qu'à 34? Je viens de manger la truc. Qu'est-ce qui me manque? Oui, l'œil d'araignée, j'ai fait, les gars. Je sais pas ce qui me manque. La soupe suspecte, j'ai fait. Ouais, moi non plus, je sais pas ce qui me manque là, mais j'ai. T'as combien, Pierre, à manger? La beetroot, elle se. En fait, la beetroot, j'avais déjà mangé de la beetroot. C'est pour ça que ça m'a étonné. À 32 là, mais je sais pas c'est quoi. De toute façon, statistique, item. On Donc, doit les aller gros, voir. On va faire. Ça va être vite vu, on va faire slash seed. Time news. Non, mais dans time news, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, c'est bon, je reviens pas. Puis je vais faire une giga mort, avoir une giga question. Hein. Oh, on aura tous une question, puis on fera tous une giga mort, on aura tous une giga question. Le gâteau, il compte pas, je crois pas. Le buffer, je l'ai déjà mangé. Oh, on en a fait un, nous. Ah, vous avez fait un gâteau? Peut-être le gâteau. Il compte pas le gâteau. J'avais fait la liste, mec. Fais contrôle F dans la conf et tu tapes Apple et tu trouves la liste. Ou tu tapes beetroot ou je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé un petit village là, vas-y. Alors, Apple, ouais, baked potato, ouais, beetroot soup, bread, carotte, chorus, cookette. Mouton, porc, rabbit, cookie, j'ai fait, golden apple, j'ai fait, golden carotte, kelp, j'ai fait, melon, mushroom, poisonous, potato. On n'est pas invité à Skydefender, les gars, c'est pas ça demain. On n'est pas dedans. Ah, la pumpkin pie, j'ai pas fait. Mais vous avez pas donné, Ika, une pumpkin pie, je crois, la dernière fois? Mec, en fait, il m'en manque que 3. Je sais pas lequel j'ai loupé. Pour moi, il m'en manque que 3. Il manque pumpkin pie. Où t'es, mais ça, où t'es? Tropical fish. Et l'enchanted Notch Apple. Tous les autres, je les ai fait. T'es en quel co? Ah, je suis en 11 000. Kelp, je l'ai fait. Ouais, carotte dorée, je l'ai fait. Tous les trucs cuits, j'ai fait et cru. Est-ce que vous voulez qu'on aille sinon essayer de ramener des gaz dans le Nether? Tu sais, on rapportait un gros portail. Ultra long. Ah, sinon, on fait spawner. Ouais, enfin, en fait, il faut faire une super grande. Mais de toute façon, il faut aussi miner en fait, hein, pour avoir assez de blocs. Mais miner d'obsidienne, non? Non, mais de minerai. La patate empoisonnée, j'ai fait. Lapin, j'ai fait tout à l'heure. Beetroot, je viens de le faire, mais ça m'en a ajouté qu'un. Alors, je pensais que ça m'en ajouterait deux. Non mais gros, donnez-moi un message aussi, voilà, ça m'énerve. Mouton cru, j'ai peut-être pas fait, bien vu. Soupe de betterave, je viens de la faire à l'instant, si vous suivez, vous avez vu. Ah maintenant j'ai que des déserts, gros. Ça j'en ai par contre maintenant. Viande de lama, ça existe pas. Non, ça existe pas. Non, il y a quelque chose que j'ai loupé quelque part, mais ça doit être une viande crue quelque part. Le pain, j'ai mangé. Moi je sais pas ce que j'ai loupé, j'ai la flemme de tout refaire, gros. Ben mushroom aussi. Oh putain, je l'avais oublié. Y'a pas un biome avec des pandas aussi? Ouais, dans la jungle. Je crois qu'on a trouvé, je sais plus. Ah non, on a pas trouvé panda, gros. En plus, les pandas, faut les faire se reproduire. Ouais, mais on fera pas ça. On va finir tranquille les 2-3 achievements. Le gast, c'est faisable si on creuse avant.